Bonjour, je m'appelle Marie, je suis chez O2 depuis octobre 2020 et je suis animatrice en soutien scolaire. Je vais plutôt intervenir en fin de journée ou les mercredis après-midi et je vais avoir un élève ou deux ou trois selon les jours à la suite sur une période d'1h30 à 2h et soit j'interviens pour de la méthodologie ou je vais plutôt me concentrer sur une matière et les matières scientifiques. Je dirais d'abord la bienveillance parce qu'on a des élèves qui nous sollicitent pour retrouver de l'aide et retrouver de la confiance en soi par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent. Et une bonne capacité d'adaptation. Il se trouve que souvent on va arriver en cours, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc il faut savoir gérer ça. Il y a aussi s'adapter à chaque élève. Ils n'ont pas tous la même méthode de travail. Une certaine méthodologie et pédagogie, encore une fois, c'est pour l'élève, c'est pour le structurer, lui donner un cadre dans lequel il va pouvoir s'épanouir. C'est le fait d'avoir un accompagnement personnalisé avec chaque élève, ce qui rend mes journées très différentes de semaine en semaine et en fonction des élèves. Je pense plutôt à la période de la fin de l'année scolaire où du coup j'ai les retours positifs. Alors je suis un élève qui a pendant 2 ans, donc j'ai passé son bac et il avait un peu cette tendance à dire que c'était nous qui avions réussi. Donc ça c'est assez chouette de m'inclure dans sa réussite. Et j'ai aussi les parents qui ont souligné les bienfaits de l'accompagnement et aussi autant sur le plan scolaire que sur le plan individuel où leurs enfants avaient repris confiance. J'interviens dans une équipe qui est hyper bienveillante et très disponible, donc même si les interactions ne sont pas quotidiennes, c'est vraiment chouette de pouvoir être intégrée à une équipe chaleureuse. Si toi aussi tu es à la recherche d'un planning un peu adaptable, qui puisse convenir à ton rythme et qu'en retour tu as envie d'accompagner des gens et de les aider dans leur quotidien, n'hésite pas à rejoindre-nous.